Chères concitoyennes, chers concitoyens, les atouts de la Suisse sont nombreux. Humanité, excellence, famille et travail, patrie et ouverture, tradition et modernité. L'École polytechnique fédérale de Lausanne est à l'image de cette diversité. Institution de renommée mondiale, l'EPFL est un des fleurons de la Suisse. Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 1er août est une journée parfaite pour réfléchir aux chances que nous offre notre pays. Je me bornerai à en nommer trois, la formation, l'innovation et l'indépendance. Trois atouts qui sont les clés de la prospérité et qui nous ouvrent des perspectives. Le premier, la formation, est pour moi la base de la réussite. Dans notre pays, chaque enfant a la possibilité de développer ses capacités. La structure ouverte de notre système de formation, avec l'apprentissage, les autres écoles spécialisées et les universités, permet à chacun d'aller loin sur la voie qu'il a choisie. Ce système assure les meilleures conditions de départ pour la vie professionnelle et fait de la Suisse un pays d'opportunités. Le second atout et l'innovation. Notre beau pays ne possède pas ces matières premières qui font la richesse d'autres pays. Mais nous en avons fait une force. Jamais satisfaits de nous-mêmes, nous sommes sans relâche à la recherche d'idées nouvelles et meilleures. Nous préservons ainsi nos emplois. Merci à vous qui faites vivre cette dynamique. Le troisième atout est notre indépendance et j'y suis très attaché. Nous voulons décider nous-mêmes de notre destin, mais l'indépendance, c'est aussi l'ouverture et le maintien de bonnes relations avec tous. La Suisse, on le sait, gagne 1 franc sur 2 à l'étranger. En Europe, la voie bilatérale nous permet d'avoir des relations d'égal à égal avec l'Union européenne et nous devons la préserver. Mais il n'y a pas d'indépendance sans sécurité. Les terribles événements de ces derniers mois et semaines le montrent. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire front commun pour défendre notre liberté et notre sécurité. Dans le monde, notre engagement est celui de l'action humanitaire et des bons offices. La Suisse n'est donc pas une simple petite tache sur la carte du monde. C'est un partenaire important et apprécié. Chères concitoyennes et chers concitoyens, la formation, l'innovation et l'indépendance sont trois piliers forts de notre pays. Voici ce que je voudrais vous dire pour le 725e anniversaire de la Suisse. Notre pays offre à chacune et à chacun toutes les chances possibles, sachant tirer parti avec reconnaissance. Nous tous, vous et moi, et tous les jours, nous pourrons alors regarder l'avenir avec optimisme. Je vous souhaite un joyeux 1er août.